La différence entre un professeur d'éducation physique et sportive et un entraîneur sportif réside principalement dans le rôle, responsabilité et contexte d'intervention. Professeur DPS. Rôle. Enseigner l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires, collèges et lycées. Responsabilité. Développer leur habileté motrice, les initier à diverses activités physiques, jeux, sport et autres. Organiser des cours et des activités sportives, veiller à la sécurité des élèves et promouvoir des valeurs éducatives comme le respect et l'esprit d'équipe. Formation. Généralement, ces professeurs sont titulaires d'un certificat d'aptitude au professorat de l'éducation physique et sportive et souvent d'une licence ou de master. Entraîneur sportif. Rôle. Amener un sportif ou une équipe à un niveau de performance optimale dans une discipline spécifique. Responsabilité. Concevoir des programmes d'entraînement, analyser les performances, motiver les athlètes et préparer les compétitions. La formation des entraîneurs peut inclure des diplômes et des formations spécifiques à la discipline sportive. En résumé, le professeur DPS se concentre sur l'enseignement général de la motricité et de l'éducation des jeunes dans un cadre scolaire, tandis que l'entraîneur sportif se spécialise dans l'amélioration des performances d'athlètes ou d'équipes dans un contexte souvent compétitif.